On reprend le relay. On essaye en tout cas. La fois dernière, on avait réussi à récupérer les cubes là. On avait fait pas mal de trucs la dernière fois. Enfin, on avait gagné à peine 10%. Possessions actuelles, on avait récupéré plein de cubes là, on a toutes les lettres. On avait récupéré tout ça du labyrinthe, mais pour l'instant, on sait pas quoi en faire parce qu'on n'arrive pas à ouvrir la dernière porte du labyrinthe. On a une page de script à aller donner à l'autre. On a une page de script à aller donner à l'autre. Et. Ah oui, et on a toute une pièce où on voit comment. Enfin, il y a des puzzles. Des casse-têtes plutôt à ouvrir, qui correspondent à des portes, mais on n'avait pas trouvé comment les ouvrir. On a un peu tout ça à faire. Donc on va commencer par aller par là pour essayer de donner une page de script à lui, là. Oui. Avez-vous mes pages? Contentez-vous de les glisser sous la porte. Quoi ce bruit? C'est mon téléphone qui sonne. Merci, signorina. C'est tout? Oui. Ah, ok. Rien de plus, quoi. Je lui donne une page et il s'en fout. Ok. Où est-ce que je pouvais aller mettre les cubes? C'était dans une porte. C'est pas celle-là. Et là, c'est là où on a récupéré les cubes, justement. Le labyrinthe, on n'avait pas compris. Ça, c'est bizarre qu'il n'y a rien. Donc les cubes, c'était dans l'église et l'église... Ah oui, maintenant, on peut y accéder d'en bas, l'église. Donc on peut retourner tout en bas. Je crois qu'on peut y accéder de là, maintenant. Là. Ok, donc... Lui, c'est comment il s'appelle? Paim... Quelque chose, alors... Mémoire photo. Document. Non. Pas dans le livre non plus. Note peut-être. Du testeur, croquis d'architecture. Ah, c'était dans quoi? Parce que là, ce que je cherche. Dans les notes, je pense. Manifeste du cinéma. On fait pas ça. Mais après, ça se peut. En vrai, je me fais chier alors que ça se peut. Elle est là, quelque part, la note là. Ah, c'est là. Voilà. C'est là. Donc. On va les noter comme ça, j'arrive pas à m'en faire chier. Donc on a Pestilencia. On a Bellum. Bellum. Bellum, Bellum, Bellum. Fames. Et mort. Waouh, waouh. Ok. Donc ça, c'est... Bellum. Donc c'est le B à l'envers. Il faudrait que je trouve la lettre B. Comment je la tourne? Ah mais toutes les lettres elles sont... Donc en fait il faudrait que je trouve B et là je... Ah bah non. Comment je la mets dans le bon sens? Attends, là on a quoi? A, B, C, D, E, F. Tac. Donc c'est forcément le B. Mais je dois pouvoir jouer avec de façon à le... Voilà. Genre c'était pas ça. C'est bien le B à l'envers là.
Ça, c'est le B à l'endroit. Comment je le retourne? C'est bien le B. Ah, il est de haut en bas, peut-être. Pas celui-là. Où il ressemble le B de base? Non, ça serait plutôt ça, hein. Donc ça il me dit non, on va essayer les autres. Hein. Là c'est le E normal. Ah mais il faut qu'il ait la bonne police en plus. Non parce que peut-être que... Le bloc chelou là. Est-ce qu'il y a plusieurs E? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, ils veulent un M sur le côté. Ok, j'ai compris. Que ça soit la bonne police. Trouve le M. Ah non, c'est un W qu'ils veulent. C'est même pas le M. C'est le W. Ah, les relous! Ok, je comprends mieux. Ok. Ah, je vais récupérer tous les trucs de chevaux. Trop bien. Ok, donc là, ils veulent, faut que je trouve la bonne police. Qu'est-ce qui peut ressembler à un B? Peut-être lui, hein. C'est lui. C'est lui, mais il est dans le bon sens. Il est où? Ça peut pas être celui-là. Je peux pas mettre le bon B non plus. Il est pas à l'envers. C'est celui-là. Non. C'est sûr que c'est lui. Bien le B comme ça mais à l'envers. J'en ai pas d'autres hein. Il n'y est pas sur celui-là. Il n'y a que 6 faces sur leur dé. Il est bien sûr celui sur le côté. Forcément celui à l'envers. Là c'est sur le côté.
À force de tourner, j'ai bien tombé dessus. Hein. Par contre, j'ai pas appuyé, hein, jamais. J'ai déjà testé. Ça, c'est le bombé, c'est sûr que c'est cette police-là. Je me trompe. Ça ressemble trop. Aller voir les autres. Là, ils veulent un espèce de C. Pas ce B là de l'autre côté du coup? Je vais essayer. Il me manque des cubes alors? Je pensais que je les avais tous. Il manque des symboles. Là, c'est quoi? Un M. C'est le M normal ou pas? Ah, ils sont relous. Ou c'est le W qui est pas pareil? J'ai pas toutes les lettres en fait. CD. Ouais. C'est pas le M, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre, hein. Je pense que je les ai tous. Et là, il y a aussi un truc à insérer. C'est comme crucifix. Par lequel je suis censé foutre là-dedans. Ça m'étonne quand même que ça soit aussi compliqué. Je peux pas le récupérer du coup. Ah, une fois que je l'ai mis, il est plus disponible, donc du coup, c'est forcément... C'est bien Bellum, hein. Je suis complètement en fût. Ah, c'est avec celui-là, mais... Il est à l'envers. Tu m'expliques dans quel monde c'est pas un B. Y'a quoi d'autre comme lettre qui ressemble à ça? Il y avait là. Les OPQR. Ça. C'est peut-être juste en miroir, je suis une merde.
Moi, je le mets à l'envers. Pas l'avoir en miroir. C'est forcément comme ça, il est forcément la tête en bas. Là, j'ai réussi à le mettre sur le côté. Comment je le mets de l'autre côté? Je crois que je l'ai déjà fait. Pour de jouer avec, il peut bien se mettre dans le bon sens, mais. C'est peut-être juste le B de base. Et comment ça peut pas être ça, quoi? BE2LUM, c'est lui, quoi. C'est un S. Ouais, genre un L. Ah non, c'est un J. La même, mais à l'envers. Lui, c'était bon. Donc, il a été mis de côté, et puis là. Là, c'est le M. Je vais vérifier quand même. Mort. Donc le cube, il est à usage unique. Peut-être le Z, non, ça fait pas un M. C'est forcément lui, hein. Pas de je te mets à l'envers, toi. C'est pas lui, c'est lequel? Il y a un truc qui ressemble à un M là. Le E, vraiment pas. Y non plus. A, B, C, D, E, F. Pas de M, c'est un N, quel que soit le sens. C'est un N. Il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à M. Et pourtant, c'est pas le M. Que 4 hein, des chevaliers dans le texte. Financia, Bellum, Fame, c'est mort. Donc là, il reste que le B. Qu'est-ce qui peut faire un B d'autre là?
Même le R, toute cette lettre-là, inversée ou pas inversée, ça fait jamais un B. J'ai essayé ça. Sauf que c'est pas tête en bas, c'est à l'envers. Je vois pas comment je le fous à l'envers. Comment je peux me mirrorer? Aucun monde où je le mets dans le bon sens. Hein. J'avais une lettre B là devant moi. B. Non, tu peux pas la mettre à l'envers. Mieux que tu puisses faire, c'est en train de un câble. Hein. Déjà essayé. Bête, c'est obligé qu'il y ait un truc simple. Jusqu'à présent, ça a jamais été la bonne lettre. Qu'est-ce qui peut ressembler à un B là-dedans? Rien. Hein. À chaque fois, ça a été une autre lettre. C'est pas là. C'est pas là. C'est forcément ici. Il n'y a rien qui ressemble à un B là. Donc là on a mis un espèce de M ou je sais pas quoi pour un E. Là on a mis un J pour finir le S. Là on va faire un M sans M. Avec le E. C'est encore avec le E. Donc c'est jamais la bonne lettre, on est d'accord. Ok, donc il me reste un. Donc si ce n'est pas un B, qu'est-ce que c'est? Non, je peux plus faire de B. Donc, quel que soit sens là. Il reste que ça là. Le B chelou là. Ça marche pas en le mettant normal. Ça marche pas en le mettant dans quelque sens que ce soit. Et là, on est d'accord qu'il n'y a rien qui peut faire un B là. Là, il n'y a vraiment rien.
Pour moi, c'est forcément le bêta chelou là. Il n'est pas de haut en bas. Il n'est pas comme ça non plus. J'arrive pas avec celui-là. J'ai pas la ref. Putain, il m'en manque qu'un seul. Autre chose dans ce truc là. C'est lequel? Le truc qui fera un B. Quel que soit ce sens, le cul ferait jamais un B. Je l'ai pas. C'est 25 minutes là-dessus. BE2LUM. Ça pourrait être un D, le B inversé, mais on n'a pas de D. Plus de D. Allez. Qu'est-ce que ça peut être? C'est que j'aurai pas d'autres indices, donc soit je trouve quoi. On a mis un W. Là on a mis un E. Là on n'a pas d'indice pour lui là pour savoir ce qu'il faut mettre. Crucifix. Bah, peut-être le Y du coup. Ok. Parce qu'il est comme ça au-dessus. J'ai obtenu la clé crucifix. Ça, je sais pas du tout où elle va, elle. Donc il me reste plus qu'une seule possibilité là. Hein. Et plus qu'un cube, donc. Et du coup, c'est quoi la lettre la plus proche de faire un B là? Putain, c'est le P à l'envers, sans minuscule. On a mis 30 minutes, mais on a réussi, hein. J'ai gagné 1%. Ok, on a fait la clé crucifix. Oh, attends, il y a une pièce là? Ah oui. On avait tout ouvert.
Là, on n'avait toujours pas compris l'horloge astronomique. MCM. J'ai pas compris. Qu'on ait compris aucun truc des raccourcis aussi, ça m'étonne. XB. Ça, c'est la 18. Regarde à nouveau dans les... avec les chiffres romains, non, c'était pas ça. Votre raccourci vers un cerveau plus rapide. Pas si je suis censé trouver d'autres pages ou pas, quoi. Là, on s'en est pas servi encore de ce truc-là, hein, des histoires des miroirs. Le 18, du coup, c'est 81. Est-ce que ça peut être ça, là? On sait toujours pas trop. Ça, c'était le menu, on s'en est servi en bas. La porte 1932. On ne sait pas. On n'a pas toutes les infos a priori. J'aime bien comprendre l'histoire des portes là quand même. Ça aussi, on a eu. Polybelle. Donc c'est 1963 qui a marqué dessus. Pas faire les deux en même temps. Il y a marqué quoi? Il y a genre marqué cool. Il y a aucun moyen d'aligner les comètes là. Genre 1001 avec un. Je pense qu'on est censé savoir ce qu'il faut, mais. Je comprends pas. Là, fallait que je retourne en dessous, c'était là-bas. Et on va pouvoir ouvrir un truc là. Par contre, c'est quel cheval qui correspond à quoi? Savoir, j'en sais rien. J'ai de la chance, c'était le bon. Où sont les deux autres? L'un, je crois qu'il est dans la chambre 1847. Mais l'autre. Je me demande si c'est pas avec l'ascenseur qu'on y va. Dans la chambre 1847, elle est tout en haut à droite, on va y aller tout de suite.
Mais non, elle est pas du tout dans la chambre 847 d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait là-haut? Pas grand-chose. Ok. Tourne en rond. Oh, il y avait ce truc là aussi avec les lots. Donc ça, on avait dit que c'était Renaté. Tout ça, c'était Renzo. Lorelai. Et Lorenzo. Mais en quoi ça nous sert par rapport à ce truc là? C'est un code sensible à la case pour demander le rapport de Bog 2. Noter leur nom là. Donc ça serait déjà, est-ce que je suis en caps ou pas? Donc non, donc ça serait L O L O R E E R E Z O. On met tous les trucs les uns après les autres, mais ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire, je pense. Et RE. Évidemment que c'est pas ça. Lundi, mardi, mercredi, mars, machin. La lune, mars. Oh, je m'en sers de ça encore. Aïe. Pourquoi j'ai mal au cou là? Donc là, c'est celle où on vient déjà d'aller, donc ça peut pas être là. On a fait celle de la cave. Doit être à droite. Peut-être là-haut, là. Par là. Ouais. Pour savoir laquelle c'est. J'ai de la chatte ou ça. Il suffit que je mette n'importe lequel dedans et ça rentre. Le troisième que j'ai trouvé. Je sais plus où c'est. Je sais plus.
prenne l'ascenseur pour l'autre. Pareil, ce code-là, savoir où est-ce que j'étais censé l'utiliser, là, le 700, je sais combien. 473. Je peux pas taper ça là-dedans. J'y suis allé hier en plus. C'est le dernier truc que j'ai fait hier d'aller. Bon, il y avait l'autre tête de cheval, mais. Bien plus. C'est là. Moi que c'est là. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va aller voir. Il manque une tête de cheval. Rien pour du café. Sauvegarder, histoire de bien. Le truc du piano aussi. C'est plus ce qu'il y avait au troisième étage. Juste une porte que je peux pas ouvrir, je crois. Non, il y avait le truc des cloches. Le troisième œil voit tout. Eh ben, on n'est pas dans la merde avec ce jeu. Hein. Ça peut bien faire du coup. Tant que j'ai pas les 4, je peux pas y aller, c'est ça? Bien sûr. Génial. Encore une énigme. Non, mais je vais devoir faire une forme qui va sortir d'où encore? Faire du coup. Ça marche même pas. Ah. Faut pas les retourner. Faut que ça fasse 1000, 800, je sais pas combien. Ça fait pas mal. Là, ça fait un 7. Il va falloir faire des chiffres. Donc là, ça va être le 1000. Donc comment je fais un 1? Ça, ça fera le 7. Ça, ça fera le 1. 1000.
Parce que le 8 c'est celui-là. Et le 7, mais j'ai pas le 4 encore. Trop bien. Bah, je suis toujours bloqué, hein. Et le truc où je suis le plus bloqué, ce qui m'ouvrirait pas mal de possibilités, c'est là où on était hier, on est resté bloqué comme des cons, mais... Impossible de savoir... J'ai trois portes à ouvrir, j'ai celle, la plus simple étant a priori celle-ci. Qui correspond à... Celle-là, c'est la 1973. Et dès qu'on fait 4 touches, ça essaie de s'ouvrir, donc ça a l'air de correspondre aux 4 années. Et on avait absolument tout essayé. En termes de ça c'est 1, ou ça c'est 1, ou ça c'est 1, ou ça c'est 1. Qu'est-ce que je peux explorer comme autre idée ? Le truc qui est pas pareil par rapport à la photo, c'est le sens des trucs. Normalement, ils sont plus dans l'autre sens, mais les petites pointes, elles sont... Même si je les tournais, je vois pas ce que ça changerait. Bah, c'est 1000. 100. Merde. Ah, mais là, déjà... que l'ordre a une importance. Il faudrait faire 1, 3, 7, 9. Merde, déjà j'ai pas fait ce que je voulais, j'étais trop loin. 1, 3, 7, 9. Ça, je vais googler, hein. Franchement, j'en peux plus, je comprends. J'ai vraiment pas d'idée, quoi. Qu'est-ce qui me manque, quoi ? Parce que là, ça me dit bien que ça va ouvrir les portes plus loin, quoi. Bien en comprendre au moins une pour ça me débloquerait sans doute les autres, mais pas la ref. Pas d'autre idée là.
J'ai une clé aussi de l'église ou pas quoi. Ah putain, j'ai une clé de la... C'est peut-être la clé de la chapelle que j'ai eue. J'ai eu la clé de la femme morte et la clé crucifix. Le crucifix pour la chapelle, ça paraît pas trop con quand même. Par contre, la clé de la femme morte. Encore? Qu'est-ce qu'il me veut lui? La clé de la femme morte, en plus c'était 1874, non? Et je l'ai ouverte. Ça dit quoi sur ça? Peu par terre, pas d'un cadavre. Comment ça se fait que j'ai encore la clé alors que j'ai ouvert la porte avec? Normalement, je les garde pas les clés. Ah si, j'ai bien gardé les clés E et machin. Yes, au moins un truc à faire. Pierre tombale, l'inscription indique 1932-2014. Il y a un trou dans lequel on peut insérer quelque chose. Alors là, 1932-2014. Pierre tombe. 1924-1963. Ok. Super, du coup j'ai encore l'inscription décrit une triquetra sur le portail. Deuxième et pour finir, c'est le plus jeune qui trépasse. Troisièmement et quatrièmement, l'une rencontre son destin après 14 ans. Premièrement et cinquièmement, celle qui vécut pendant 2 siècles. Donc, premièrement, celle qui vécut pendant 2 siècles. De toute façon, quand bien même, j'ai rien à foutre dans les trucs, donc encore débloquer un truc où j'ai pas ce qu'il faut, je pense. Et pendant 2 siècles, bah, il y a celle-là. Premièrement et cinquièmement, celle qui vécut pendant 2 siècles. Donc on doit sans doute appuyer 2 fois sur je sais pas quoi. Donc c'est la deuxième, ça fait 2-2, ok. Deuxièmement et pour finir, c'est le plus jeune cri qui trépasse, donc c'est un code à 6 chiffres. Là, on rencontre son destin après 40 ans. Donc c'est celui-là. Et je vois pas le rapport avec les trucs que j'ai. Merde. 1807, 1847. Ça c'est 40 ans. Vas-y, on va l'écrire ça aussi, on sait jamais. Donc j'ai 3 tombes. On va dire que c'est 1, 2, 3, mais j'en ai foutrement aucune idée. Donc la tombe 1. Tombe 1. Tombe 2, tombe 3. Donc la tombe 1, 1807, 1847. Rien à mettre dedans à chaque fois, ça me stresse. 1932-2014. Et 1924-1963.
Donc, écrit une triquetra, déjà, je ne sais même pas ce que c'est. Mais deuxièmement, et pour finir, c'est le plus jeune cri qui trépasse. Donc le plus jeune, c'est celui qui est mort à 39 ans. Donc la tombe 3, c'est 2 et 6. Donc ça, c'est 2 et 6. Troisièmement et quatrièmement, la rencontre, son destin après 40 ans. C'est la 1. Ça, c'est 3 et 4. Et du coup, 1 et 5, celle qui vécut pendant 2 siècles. Ok. Donc ça serait 2, 3, 1, 1, 2, l'écrire, donc ça fait 2. À quoi me sert ce code? 23, 11, 23. Foutre rien. Ça correspond même pas au 13 machin de Lorelai. Et on considère que les tombes sont dans l'ordre, hein, parce que j'ai dit 1, 2, 3, mais j'en sais foutre rien. Et bah, je suis pas dans la merde avec ces conneries. Hein. Je sais pas du tout quoi faire là. Le seul truc que j'ai à faire, c'est d'ouvrir les portes. Hello. Mais j'ai pas trouvé comment, quoi. Ça, fallait mettre un truc rouge, mais j'ai toujours pas de quoi ouvrir la roulotte. Ok. Est-ce que ça peut être les cartes? Ça va? J'ai pas de ticket, moi. Eh ben, c'est bien. Je sais plus quoi faire. Je sais plus. Je sais plus. Le fait est aussi que j'ai fait 40% du jeu, j'ai réussi à ouvrir aucun raccourci. Je pense que je suis censé être en mesure de les ouvrir déjà. Ils sont censés être de difficulté croissante en plus. Ça va. Ça va, je galère, j'arrive pas à avancer là. J'ai réussi à faire quoi? Avec les cubes, j'ai réussi à récupérer les. Des symboles que tu mets dans les têtes de chevaux, j'en ai 3 sur 4, parce que j'ai pas découvert la dernière tête de cheval. Ça fait la 16. Est-ce que je me les tape tous? Putain, j'ai pas envie. Hein. Je vais pas faire les 99 trucs juste pour essayer d'ouvrir les raccourcis quand même. Non, c'est trop long. Il y a forcément un truc à savoir, mais quoi? SC. Là, je peux toujours pas aller dedans. Hein. Un levier là-haut, mais il y a trop d'endroits où je sais pas comment y aller. J'ai plus du tout d'idée là. T'avais pas une aide avec des chiffres disposés bizarrement pour quelle partie? Je vais me faire attaquer par lui là, qu'est-ce que ça fait du coup? J'ai pas sauvegardé. Enfin, si je meurs là, je suis dans la merde parce que ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé. Va falloir que j'observe la pièce encore pour la deuxième page. Donc, à faire certains détails, essayez de vous souvenir. Franchement, je vais pas faire le malin cette fois-ci, je vais prendre en photo le truc.
Il y a deux fourchettes d'un côté, un couteau. Il y a le verre dans la main. La porte 16. Bah, à part que c'est la porte 16. C'est où t'avais vu des chiffres disposés bizarrement? Il y a une rose. Il y a deux verres d'un côté. L'autre, il a le verre dans sa main. Je vais prendre. Franchement, j'ai juste pas envie de décéder là. C'est moche, mais. Pas très moche. Mais allô? Une photo de chaque côté. Il y a le chien, il caresse son chien. Tu as à faire, on fera après. Donc, si on essaie de noter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 bougies sur la table. La plus petite est en face du gars. Il y a une rose du côté de la fille. La fille a deux verres, le mec aussi, mais le mec il est en train de boire son verre de vin. Et il y a son chien à côté. Il manque un couteau. Elle fait trois avec ses doigts. La bouteille de vin est du côté du gars. La rose est aussi du côté du... Le verre le plus plein, c'est celui du gars. Il manque un couteau. Est-ce que je peux voir d'autres? Essayez, hein. Vous vous souvenez, on va dire que oui. Très bien. Où le chien était-il assis? À la gauche du maître. Le couteau est sous la chaise de la femme, je l'avais même pas vu. Cela concorde avec nos informations Fraulein. On va pouvoir amener la deuxième page à l'autre, là. La femme observe sans doute à la lumière vacillante du chandelier. Un disque de piano tourne sur le tourne-disque. La femme prend une profonde inspiration. Bien, le labyrinthe que je conçois, je n'ai que très peu d'informations. Oui, le labyrinthe est une sorte de métaphore. En quoi? Je crois que ce n'est pas une chose qu'il convient de verbaliser, vous devez trouver par vous-même à l'intérieur du labyrinthe. La femme affiche une moue de frustration. Mais il sert à quoi? Le labyrinthe sert à se perdre, signorina. Quelques spécifications techniques pourraient m'être utiles. Locu3 est... Il l'interrompt. Signorina, nous devons nous souvenir de la malheureuse poule qui a gagné la course du fermier. Ce soir, nous mangeons et nous buvons. Ils lèvent leur verre et boivent. La femme observe son hôte. Vous avez dit que nous étions seuls. Pourtant, j'ai vu... Il l'interrompt. Oui, Rudy. L'homme claque des doigts. Rudy, un labrador noir, arrive en courant dans la pièce et trottine jusqu'à la table. L'homme ébouriffe les poils de Rudy. Ce qui me plaît le plus chez les labradors, c'est qu'ils se moquent totalement des institutions financières. Non. J'ai vu un homme, un magicien. L'homme arrête de caresser Rudy. Signorina, c'est une excellente nouvelle. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement à la technologie. On a maintenant la magie. Dites-moi plus, je vous en prie. Il m'a fait ce geste. La femme se masque les yeux de la main droite et lève la gauche. Elle pointe en l'air avec trois doigts. L'homme observe l'air grave. Signorina, écoutez bien. C'est un salut et un avertissement. J'ai fait une rencontre similaire il y a des années de cela dans les profondeurs des studios Ciné Terzo. L'art peut parfois être très dangereux. L'homme regarde fixement devant lui, puis il retrouve ses esprits et sourit. Vous n'avez pas à vous inquiéter du magicien ou de ses frères. Faites comme si vous ne l'aviez jamais vu. Pour l'instant, l'homme se précipite jusqu'au tourne-disque et met un disque de cha-cha-cha. Il se tourne vers la femme et fait une révérence. Vous permettez. Ok, j'ai une autre page à lui donner. Donc si je retourne dehors, tu me disais qu'il y avait une histoire de chiffres. Tu pourrais m'aider. Et pour moi, là, t'as bien 16. Et c'est le numéro du truc qui se verrouille. Et j'ai évidemment déjà essayé de mettre 16, et c'est pas ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ici qui... Il y a deux stylos. Ok. Dans tes indices, il y a des chiffres, si je me souviens bien. Mes indices. Je parle de, desquels, parce que il y en a que j'ai déjà utilisé. Hein. Si tu parles de... Tu parles de ça, ça je l'utilise ailleurs.
pour la console. L'énigme des chiffres, c'est ça qui en parle. Je sais pas. En fait, tant que j'ai... Parler. Non, ça en est servi pour la console, ça. Si je les teste toutes, je vais, ça va bien finir par marcher, je suppose. Mais bon, c'est trop long, quoi. Et puis, ça m'aidera pas à savoir pourquoi c'était tel ou tel chiffre. Est-ce que je verrai un rapport entre le chiffre trouvé. 22. Attends, j'ai pas eu le temps de lire. Tu parles de... Ça. Donc je sais pas. Je ne sais pas. On va aller lire, on va aller donner la page à l'autre là. Et puis, puis on va aller pleurer. Hein. Quoi le chien? Ah, elle va me donner, j'ai des caresses. Rudy. Pour 6, 9 lettres, faire. Est-ce que j'essaye 7 ou 23? J'essaye, hein. Mais en fait le truc c'est que je me souviens plus où est-ce que j'ai trouvé cette histoire de cette page raccourcie. Que le truc c'est que cette page-là elle sert pour toutes. Pour toutes les portes, pas qu'une seule, quoi. Je sais même plus où on la trouve cette page. Je sais Bah, je sais pas si c'est le premier, enfin c'est le premier. Mais... C'est le premier qu'on voit, ouais. Je sais pas si la difficulté dépend du numéro qui a marqué dessus ou du... De l'ordre dans lequel on les voit. Donc, je vais leur donner la page à l'autre. Il me reste que les clés là. Allez. Une page. Voilà. Et puis voilà, voilà. Vraiment que je comprenne. Ouvrir ces foutues boîtes là. Mmh.
Il y avait celui-là, là, mais... Pour l'année 1932. On avait déjà essayé hein, de faire les trucs dans l'ordre, hein, mais... Franchement, je sais pas. D'un côté, j'ai pas envie de googler parce que ça serait dommage de pas trouver par soi-même, mais de l'autre, j'ai vraiment aucune idée de ce que je peux faire. Merde, je trouve pas ça que je veux faire. Donc 1932, donc le premier. Ça va. Le 9, c'est la croix. Cette croix-là. Le 3, c'est le U. Et le 2, c'est le plus. On avait déjà essayé hier. Mais force brute, là, il y a trop de symboles. Hein. On va faire ça. Et je sais pas. Ce qui reste, c'est quoi? C'est celui-là aussi. Celui-là, il était en quelle année? Celui-là, c'est le 1953, je crois. La différence avec celle-là, c'est qu'il y a des petits symboles en bas, comme si, des petits triangles en bas de chaque carré là. Celui que j'essaye de plus. C'est de la merde, franchement, ça je comprends, j'ai merde. Je vais avoir la solution, je vais me dire, ah, c'était ça. C'est sûr que ça va m'ouvrir la porte, mais je...
celle-là aussi. Celle-là, c'est la 1962. Ça me gave. J'ai pas d'idée non plus. J'ai 10 symboles. Le symbole 1, c'est toujours lui. 9. C'est lui. Le 6, c'est lui. Et le 2, ça serait le plus. Pas trop ce que je peux faire. Que c'était granit qu'il fallait dire à la vieille ou que NOME granit. Ah non, excuse-moi. Là, ça serait huile sur toile et ça a pas de sens. Je peux relire la notice du fond de la pièce aux boîtes, s'il te plaît. Elle donne, enfin pour moi, elle dit rien si ce n'est que ça va ouvrir les portes. Propose une signification et un ordre, on est bien d'accord. On va voir la... Et lui dire les prénoms des gens, là, Lorelai et tout, voir si ça fait quelque chose. Lorelai. Vice. Art Composium, collège de photos, collège photo, café, tante, mère, père, groupe de Pitof, nom, dans le Telex, projet Younas. Groupe de Delphine. Younas qui va réagir à ça. Ouais. Ça doit être sa date de naissance, là, le 29
novembre 1932. 4102, je sais pas ce que ça veut dire. Des noms de parents. Nom et surnom d'amis, de connaissances. Je vais essayer Lorenzo et tout là. Renat, bordel. Je vais essayer Lorenzo déjà. Putain, je tourne tellement en rond que. C'était quoi, Enzo? Enzo. D'un moment, merde, hein. C'est insupportable. J'ai eu vraiment plus d'idées, là. Le truc qui pourrait me débloquer, c'est d'ouvrir les trois portes. Le chien, c'était comment on a dit? Dani? Comment il s'appelle le chien? Rudy. Parce que. Je pense que j'en ai plein le cul. Ces boîtes de merde que j'arrive pas à ouvrir. Appeler au sujet de la boîte de puzzle. Ah, peut-être que lui va me donner des infos. Oh, j'avais oublié ça. Enfin, ça se peut, c'était juste ça. Alors, donne-moi des infos, s'il te plaît. Bonjour. Avez-vous trouvé avez-vous trouvé du nouveau dans la maison? Parlez des boîtes de puzzle. Oui, j'adore vos boîtes de puzzle. Qu'est-ce qu'elles signifient? Qu'est-ce qui les relie au passé? Les mystères les rend brillantes. Ça donne des infos. Écoutez bien. Le passé est la porte vers le futur. Cherchez les motifs. Sans blague! Putain, mais donne-moi des raisons, d'autres choses là. Putain, il m'a donné aucune info, ce con. Ouvrez le coffre au bouton DEL. Il est où ce coffre? Au vu de l'ordre des messages, il est censé être là-haut. Il devrait être dans le coin. Du tout, il est ce coffre DEL là, ça me dit rien. Un cheval dans l'arrière-cour. Ouais, j'en ai découvert trois.
Ah, t'as raison. Chercher le quatrième alors qu'en fait je l'ai dé... il est directement dans la cour. Tu sais, j'ai pas trouvé le quatrième, mais c'est parce qu'en fait, il est déjà à l'extérieur. Donc là, faut que je fasse un 4. Ça. Voilà. 1847. Enfin, donne-moi des trucs à faire. Porte de l'orangerie. Ah, il faut un code. Bah, dis-moi que c'est 1847 parce que 1000. 847. Ça, mais il y a combien? Ah, faut toutes les dates. Putain, c'est quoi déjà les dates qu'on revoit tout le temps? 1847. Non, mais il n'y en a pas autre. Putain, mais il y a 200 numéros à rentrer. C'est bâtard. Le code du G-code de l'orangerie. C'est mort. Je pense que c'est Renzo. Ah bon? C'est quoi ça? Ah oui, c'est... Chercher le truc des chiffres romains. Ouais, c'était ça. 2014, 1963, 1847. Est-ce que c'est les quatre dates dans l'ordre? Mais c'est quoi la quatrième date alors? $1. Code à 8 chiffres. C'est pas 1847.
Renzo, pour moi, c'est le mec. Oh, je sais pas. Pourquoi R. Nero, ça serait Renzo? Ah, je crois que j'ai. Attends. Ah non. Ok, donc ça serait pour le premier, ça serait. C'est bon. Celui-là, on va pouvoir l'ouvrir. Alors, les quatre premiers chiffres, c'est 2. 2. 5. 6, 7, 8 et 0. 2580. Le deuxième, par contre, c'est lesquels qu'il faut que je prenne en compte? Et que pour le chiffre 8 où j'ai aucune idée de ce qu'il faut mettre. Parce que pour le chiffre 4, du coup, c'est 2. Ah bah non, même pour le chiffre 4, je sais pas en fait. Et pour le 7, ça doit être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0. Pour le 4, c'est quoi du coup? Parce que ça passe par 5 trucs. C'est pas clair. Que c'est les extrémités pour est-ce que le 4 c'est 2? C'est là où les trucs se croisent peut-être? Ah, maintenant je sais même pas. Allez, le jeu là. T'es jamais clair. Pour le 8, il passe par trop de cases, quoi. Comment je peux savoir lesquelles il faut que j'appuie? Il y a 6 chiffres pour le 8. Pour le 4, il y en a 5. Noté, on va voir, donc ça serait du coup 2. Quel ordre en plus? Est-ce que c'est les 4 premiers, genre 2? Toi, tu penses que c'est pour chaque trait le départ et l'arrivée?
Peut-être. Essayez, de toute façon, j'ai mieux. Ce n'est pas mieux. 2, 3, 4. Si on refait tout le truc, ça ferait 2-0. Ah oui. Ensuite 2-4. Ah, je pense que c'est le 4 qui est pas bon. On renote tout. 2, 0. 2, 4, 9, 0. 7, 6. Ça, on est d'accord. Ensuite, 2, 4, 6. 5, 0. Et ensuite, 1, 3, 0. Et 5. Ah putain, mais non, du coup, effectivement, pour le dernier, ça serait 0. Ouais, mais du coup, il y a un problème pour le point de départ, c'est le gros. Du coup, ça fait 0, 5, ça, on est d'accord pour le chiffre 4. Mais après... Zéro deux, 0,5, 2, 4, 6. Comme tu avais vu au départ, quoi. On l'a essayé, ça marche pas. Deux, 0. 2, 4. 9, 0, 7, 6, 0, 5. Bah, vu le nombre de chiffres, il y a forcément 3, 2, 4, 6. 7, donc 1, 3, 0. C'est de la merde, franchement, t'as aucune indication. Qui fait son 4 dans ce sens-là déjà? Personne fait ça.
Si on fait juste 0, 2, 4, 6, il manque un chiffre. Il faut en rentrer 8. Enfin, 16. Enfin, ça doit être à un poil de cul, là, le code, mais le... Quel truc est faux? Est-ce que c'est 2, 4, 6 ou est-ce que c'est... Je me rapproche des chiffres, on peut pas voir plus près. Non. Pas trop facile. Et qu'il y a un trou là. Il y a rien. Non, c'est sûr que c'est ça, là, il n'y a pas de feinte non plus, mais... Le truc, c'est que ça rentre, quoi, ça fait un code à ces chiffres, quoi. Et 4 qui doit être faux, mais... Ah, non! Et on considère qu'il revient sur son point de départ pour le 8. Ça fait 2, 4, 9, 0, 7, 6, 2. Et du coup, on considère que le 4, au lieu de 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 5, 6, 0, 2. Non, je pense que tu as peut-être raison, c'est peut-être... On voit super mal, mais c'est peut-être 0,2, 4, 6. 0,2, 4, 6. Essayons ça. Donc on refait. Ça c'est le départ. 2, 0. Donc là ça ferait 2, 4. 9, 0, 7, 6, 2. Là, ça ferait 0, 2, 4, 6, puis 1, 3, 0. Eh, franchement, c'est pas clair. Hein. Franchement, c'est pas clair parce que là, on sait pas, enfin, le fait qu'il y ait un tout petit peu, que ça soit plus épais là et tout fin ici. Franchement, c'est pas clair. Saloperie. Fruit interdit. Il y a dans Eve-like là, une référence biblique. Bonne idée, signorina. Oh non, 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 me fais pas refaire le code. Il peut me buter. Je peux sauvegarder? Sortir sans que sans lui parler ou pas? Ah non. Le premier comédien du jardin d'Éden était le serpent. En tant que tel, il était Dieu. Il avait compris le besoin d'action. Ce n'est pas ce qui vous a mené ici. Vous voulez de l'action et de la violence? Je crois pas avoir dit ça, mais allez-y, prenez-le. Je peux prendre le flingue. Vous avez obtenu le revolver. Et maintenant, je joue pour de bon. Peux décider de le buter ou de pas le buter? Je peux. Il décide où je tiens. Ah, il m'a juste donné une clé. Revolver, c'est en somme une clé en forme de revolver.
Ah, c'est brillant, signorina. Comment avez-vous fait ça? C'est une vraie magicienne. Mais alors, où avez-vous bien pu cacher le vrai pistolet? Alors super, j'ai une clé d'un truc que bah, j'ai pas de. Une clé qui ne correspond à aucune porte que j'ai actuellement. Trop bien. On est toujours bloqué, mais par la même chose, je pense, hein. Comment on ouvre cette merde là? Ça, c'est la porte 6, ça devrait être une facile. Oh, elle s'ouvre pas avec un 6. Elle s'ouvre avec un 9. Il y a une espèce de 9. Et va fort bien. Regardez. On va les bouffer, je commence à avoir faim. Ouais. La save est là, mais je vois pas comment on ouvre ça, quoi. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, là, hein. Faut ouvrir ces trucs. Les symboles. Merci. Il faudrait vraiment que j'arrive à comprendre ça. On a dit celle-là, c'était la porte 1963. 73, pardon. Pour ouvrir celle-là, comment on va ouvrir les autres? Je peux essayer un hein. 3 7 9 1. Quelle est la logique? 3 9 1. Si on commence à 0, on commence de l'autre côté. 3 9. C'est que comme t'as 0 0 0 coup de main dans le jeu, bah tu trouves pas, t'es juste blockade. Déjà tout essayé. Il va avoir un lien avec 1973.
aucune idée. Pour moi, c'est juste un numéro de porte. Après, il n'y a pas d'histoire particulière à cette date. Faut que je sache. J'ai des lettres, mais il n'y en a aucune de cette année-là. On parle de dire, regarde. C'est celle-là. Est-ce que le truc non, attends. Le symbole noir à droite, en fait, c'est juste la poignée de porte. Ça pourrait peut-être être genre le 2, 3, 4. Est-ce que là, est-ce que toutes les... Non, le 3 à l'envers, ça fait pas de chiffre. Mais t'es dit, est-ce que toutes les portes ont, peuvent être, avoir des chiffres en miroir, mais non. Passer ouvrir vers le futur, ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans mes notes mentales, peut-être que je pourrais faire le portail du labyrinthe, on sait pas. Débloquer les raccourcis, jouer un air à la boîte à musique, ça je sais plus où c'était. Peut-être pas loin du raccourci 20, mais comme je sais pas où il est. Ouais. Là je sais qu'on est, on est censé être en 1963. Cadenas est à trois lettres. On sait pas. Insérer quelque chose dans le front de la sculpture. J'ai rien à insérer là, je crois. Il n'y a plus rien qui va dans un front là. Une clé, donc c'est pour une porte. Je pense que je vais finir par craquer et aller googler. Hein.
Le curseur, au départ, il est là quand tu arrives dessus, donc c'est censé être le premier élément, quoi. Donc ça, c'est soit 0, soit 1. Et la date de la lettre. Pourquoi la date de la lettre pour 1962? Il n'y a aucun rapport. Hein. La date de la lettre. C'est la première lettre que j'ai. Enfin, même ça correspond même pas à la date de la porte. Mettre 13-12, mais pas du tout le rapport. En plus, ce truc-là, on l'a déjà utilisé ailleurs, quoi. C'est tout au début du jeu. Pas appuyer deux fois sur la même. Abandonner là, et je pense que la prochaine fois que je reviendrai, j'aurai la solution. Et malheureusement, je n'ai plus d'idées. Je vais pouvoir avoir une troisième. Éclaircir certains détails, essayer de vous souvenir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau là-dedans? Donc, on a le chien qui regarde dehors. On a 4 bougies, mais il y en a une, la troisième, qui est de plus petite taille. Il y a un livre avec une tasse de café et une lampe, la chaise. Il y a moi qui est en train d'avoir un livre et une note à côté. Il y a l'air d'avoir quoi là? La cam, on voit pas. 3 bouteilles de vin et 2 verres. Une clé, une horloge en haut. Un cheval sur la deuxième à droite.
On regarde dehors. Pas grand chose, l'heure, il est quelle heure? Toujours 6h47, le fameux. Pour le 1847. Donc on a dit 3 verres, 2... Non, 2 verres, 3 bouteilles. Un cheval qui regarde à gauche. Une clé. C'est pas crevé, on va voir si on se souvient. Y avait-il dans le tiroir ouvert en bas de l'étagère? Des bouteilles et des verres à vin. Ça concorde avec nos informations. Bibliothèque, deuxième étage, nuit. La femme se déplace entre les rayonnages. Résumons ce que nous savons, Rudy. On est en train de concevoir un labyrinthe pour un projet qui va transcender l'expérience humaine de l'art. C'est une métaphore que je dois découvrir. Rudy agite sa queue, la femme prend un dictionnaire sur une étagère. Labyrinthe, un réseau complexe et irrégulier du passage dans lequel se repérer est difficile. Rudy aboie et se dirige vers la fenêtre. Rudy grogne. Il y a Rudy, la femme observe attentivement. Rudy gémit de peur. On voit encore tomber de l'autre côté de la fenêtre. La femme pousse un cri de surprise. Dehors, sur le sol, gît un cadavre. On va les redonner. Là. Je veux avancer, hein. C'est fou. J'ai dit 3% là. Mais j'ai pas plus d'idées que ça, malheureusement. C'est une histoire de porte là. Ce qui est chiant, c'est que je suis sûr que dès qu'on va en ouvrir une, on va pouvoir toutes les ouvrir. Mais. Mais voilà. Allez, on s'arrête là. Fait dame. Bonne après-midi, sans doute à tout à l'heure. Ciao.